Ce que l'on a vu ce matin, finalement, c'était autant d'exhortations à ramener les choses à nous-mêmes, en fait, à nous observer nous-mêmes par rapport à ce qui a été évoqué. Et donc, s'il vous plaît, comme c'est important, essayez de garder tout cela à l'esprit et essayez de l'appliquer à votre esprit. Donc on s'en souvient, on est arrivé à ce stade où Shantideva finalement montrait un doute qui pourrait s'élever donc quant à la nécessité que l'on aurait de devoir développer l'esprit d'éveil, c'est-à-dire cet esprit altruiste, étant entendu que finalement on n'est jamais chacun que l'artisan de son propre bonheur donc, ou de sa souffrance. Donc, partant de là, dans quelle mesure notre pensée altruiste pourrait être bénéfique, pourrait être utile. Et ici, donc, il nous a bien montré, alors qu'effectivement, tous, comme nous, donc, aspirons au bonheur et à éviter la souffrance, mais connaissant les causes, donc, nous nous précipitons donc, ici au cœur de la souffrance, ou au contraire, détruisons les causes du bonheur comme on le ferait d'un ennemi. Et encore, donc, quand bien même on connaît ces différentes causes, on a besoin, en fait, encore une fois ici, de quelqu'un qui, outre le fait de nous montrer quelles sont les causes du bonheur et de la souffrance, comment faire pour accomplir, effectuer, en fait, ces différentes causes de bonheur, de bien-être, enfin, qui concourent au bonheur, et éviter celles qui concourent à la souffrance. Donc, développer l'esprit d'éveil ici revient à quoi ? Revient à aspirer à parvenir à cet état de Bouddha, finalement, cheminement qui nous rendra capable de montrer le cheminement, de montrer le processus donc, à d'autres êtres. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra leur être bénéfique. D'où la nécessité de développer Bodhicitta. Et ici, Shantideva nous dit, donc on est au strophe suivante, donc au bas de la page 27 et début 28, ceux qui sont privés de bonheur et accablés de tant de peine
il les comble de bonheur, met fin à toute leur peine et dissipe même l'ignorance. Où trouver semblable vertu, ou encore un ami à sa hauteur? Aucun mérite ne l'égale. Aucun mérite ne l'égale. Je... Témoigner de joie. Enfin, c'est-à-dire... Et c'est tellement juste, c'est juste inconcevable. Mixegi, ta, dungé nyang de oris, roi, tendre gnal de oris, tendre dungé nyang de nye, simjin teda la, ta, chanju samban namji, chambe seva, champa chimbugi, kune lange, roi, champa chimbugi kune lange, en karichi grislana, ta, korandu. Toridan tarbi de wa dubya ka tablam tenje andini dewe tsimba chigiris. Rwa. Wuna lani dewe tsimba chigiris. Dejilata. En effet, bien que tous les êtres donc veuillent faire l'expérience du bonheur, du bien-être, ils en sont cruellement privés. Bien qu'ils ne veuillent pas, ils ne souhaitent pas endurer la souffrance, ils croulent sous les expériences de souffrance. Et il en est ainsi finalement de tous les êtres qui sont ainsi continuellement tourmentés par les différents types de souffrance. L'esprit d'éveil, avec la force notamment de la bienveillance qui l'anime, ici montre finalement le chemin, montre la voie en fait aux êtres pour justement accéder à des renaissances supérieures, voire accéder à la libération. Donc procure en d'autres termes aux êtres, de façon raccourcie dit-on, procure aux êtres ces renaissances supérieures et la libération. Ta, t'es nain, ta ningji jimbu kunen lani, ani teta dongen le seya. Donc de chana jimaru nyambe semdi kuna lanje teta tamje dongel sebe tap tenje sel tap chigor ba sel tap chigor es dinde bezin chinge de gi tap tenje ta langdor gi timu meba chigor es seba chigor es langja ta torja karim sebu jin den ninje kuna lanne ni champa de ninje ni de sa champa de sa ninje kuna lanne dongel se tap lam tenge es Di cerdon, tak dengi ke kuni lang itu kan? Lang dorujin, ne, la mongba serva cikwaris. Dende mongba serva cingi ke? Ani dende sem, cangju sem ti le lawe gawajik, an kawaii waris ta. Tele, Ta di nija chafan, champa kune lani langja di lefan, ningji kune lani torja di lefan, o di nigda langja ta torja ni, di ani mumba di seba che ni, ani simja tamji tarwa dan, tamji jimba koban lo kuyo warwa. O di dendegi, ani chingegi, ani chanju sem tele habi gyao chi kawaiyo res. O di res, wa. Et donc en fait ici il est un parallèle entre de par la présence de l'esprit d'éveil, donc en fait la force de la bienveillance conduit en fait ainsi un être à montrer, à exposer le chemin qui conduit donc aux renaissances favorables supérieures donc ici et à la libération, voire la libération finale. D'un autre côté, toujours mu par l'esprit d'éveil, ici c'est la force de la compassion qui conduit en fait à exposer, à montrer un chemin qui conduit hors de la souffrance, qui fait cesser finalement la souffrance. Et donc la présence de ces deux dimensions au sein de l'esprit d'éveil, que sont la bienveillance et la compassion, concourt ici donc à, en montrant ce qu'il convient finalement d'adopter, c'est-à-dire le type de cause à générer et ce qu'il convient de rejeter, à savoir le type de cause qu'il convient d'éviter,
conduit ainsi à remédier à la confusion mentale, à cette forme d'ignorance ici qui est de la confusion mentale, et conduit, amène ensuite, donc ainsi, tous les êtres à faire l'expérience donc, de la libération et de la libération finale. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? C'est dû à la présence donc, de ces deux composantes au sein même de Bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Donc quel autre état d'esprit que Bodhicitta est en mesure de faire cela ? Dans ce sens que Shantideva dit, quel autre état d'esprit aurait un mérite égal, équivalent à celui de Bodhicitta. Shantideva terminer cette strophe donc par enfin en tout cas avec la strophe 30 qui vaut à peu près en disant où trouver donc semblable vertu ou encore un ami à sa hauteur, aucun mérite ne l'égale, c'est-à-dire quelle autre vertu, quelle autre qualité finalement pourrait être aussi puissamment bénéfique que l'esprit d'éveil, quel proche, quel ami pourrait avoir un impact, un bénéfice aussi grand que l'esprit d'éveil, sous-entendu, ce sens que cet esprit d'éveil est à la fois bénéfique pour nous-mêmes et pour les autres. Qui d'autre ou quoi d'autre que cet état d'esprit serait en mesure de faire cela ? Pendede, pede tendu dewa, taba tamji jimbe goban dhubya ki dewa dhungi ki, ane chokjiri dewa rwas. Pende ki? Pende tardu. Pende tardu sana? Dewa tardu. Dewa tardu, tamji jimbe goban dhubya ki lam dhungi ki, ta dijiri dewa rwas rwa. Dile hawa kawa. Et dans la mesure où un tel état d'esprit donc, est la cause même qui nous permet d'accéder ou de conduire un être en fait, à l'état, on pourrait dire, de félicité, l'état d'aisance et de félicité ultime, qui n'est autre en d'autres termes que moyen de faire référence à la bouddhéité, en fait. Donc, à mesure où c'est un état d'esprit qui permet en fait de conduire un être jusqu'à cet état de Bouddha, cette bouddhéité, quel autre état d'esprit, quel autre moyen serait susceptible de faire cela ? Et en termes de mérite, dans la mesure où, comme on l'a vu, l'objet d'observation d'un état d'esprit tel que Bodhicitta étant l'ensemble des êtres sans la moindre exception, quelle autre qualité, quel autre état d'esprit serait susceptible de procurer plus de mérite que ce que lui ? Ensuite, il est communément accepté que quiconque a cette tendance à aider en fait les autres, à aider les uns et les autres, est perçu comme quelqu'un dont on loue les qualités. En fait, ou en tout cas, on loue cette qualité chez quelqu'un qui aide, qui facilement rend service ou aide les uns les autres. A fortiori, alors, que peut-on dire de quelqu'un qui a développé cet esprit d'éveil et qui a cette dimension-là vis-à-vis de tous les êtres ? C'est ce que nous dit la strophe suivante. Ça se trouve un petit peu plus loin, même puisqu'elle nous dit « S'il est juste de louer celui qui rend le bien pour le bien, que dire alors du Bodhisattva qui fait le bien sans même qu'on l'en prie, en fait, qu'on le lui demande ?» Ça
c'est digi penta ma de quelle chose machine simjin yedojo thama quoi ne semne misegi jue mo gojin jigorwa se mo gojin simjin ki tun jigorwa simjin teda thamje da dongel de chane jima lo dewa da dena jima lo ningji chimbu ti kunan lanje jamba chimbu ti kunan lanne tende ji kunan lan ne semde che ne ne da jue ba le jugu yin da da dile la ba yin da Kazuri Sembachi Kawaiware, Smuchik, Stella, Duratang Chogres. Rangazunam Juya, what is the Tilen, Jengedal Yaburi Lama, Dilla the Petty in the Inns, Yaburi Lapcho the Chosen Roi. Donc en effet, lorsque quelqu'un aide, par exemple, ou nous aide, ou nous soutient, si en retour, en fait, l'on rend service volontiers ou également on prête main forte volontiers, c'est communément reconnu comme un comportement approprié et c'est habituellement. La personne qui réagit ainsi donc, reçoit habituellement des compliments, en tout cas, ou est appréciée pour cela. A fortiori, ici, dans le cadre d'un bodhisattva, indépendamment du fait qu'une personne... quelqu'un a bien agi à notre égard, nous a rendu service, si à notre tour, en fait, on ne manifeste rien, c'est perçu comme de l'ingratitude et c'est mal vu, donc communément. Dans le cas d'un bodhisattva, ça va beaucoup plus loin que cela, parce qu'indépendamment en fait, qu'une personne lui ait été bénéfique ou non, voire même qu'elle lui ait nui, peu importe, cela n'entre pas en ligne de compte finalement. Peu importe qu'une personne ait agi en sa faveur ou non durant cette vie-ci, en fait, un bodhisattva va éprouver, donc un être dans lequel qui a engendré cet esprit d'éveil, va éprouver en fait, spontanément, donc sans avoir à réfléchir, sans avoir besoin de réfléchir, mais éprouver pour tous les êtres le désir que tous puissent faire l'expérience du bonheur, du bien être de manière stable et soit débarrassé de la souffrance et va mettre spontanément en action en fait tout ce qu'il peut à cette fin là. Donc quand on regarde ainsi donc sous cet angle là un tel état d'esprit, forcément c'est digne d'éloge et on ne peut que tarir d'éloge ou de louange donc vis-à-vis d'un tel état d'esprit ou d'un tel être. On dit que les gens ne sont pas les gens. Ils 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 ne sont pas les gens. Chapa the Madeva.
cet état d'esprit donc est bodhicitta, donc de par les causes donc qui l'ont initié, à savoir donc ces deux aspects de la bienveillance et de la compassion, donc ici de grande bienveillance et grande compassion, est vraiment donc extraordinaire. Si l'on veut essayer de l'examiner ou de le considérer, regardons en fait notre esprit. Oui, à notre stade, nous éprouvons de la compassion, oui, nous éprouvons de la bienveillance, mais il nous faut prendre conscience que cette compassion, cette bienveillance que nous éprouvons sont extrêmement limitées, elles sont extrêmement partisanes, en fait. Et c'est la raison pour laquelle cette base de cette compassion et de cette bienveillance limitée, partisane, que sont les nôtres, ne peuvent pas servir de support, finalement, encore au développement d'un tel état d'esprit qui est bodhicitta, parce qu'ils n'ont pas cette envergure encore. Ce que nous devons faire, c'est commencer à intensifier, à accroître, en fait, à étendre, en fait, notre capacité de compassion, notre capacité de bienveillance, et de faire en sorte qu'elles ne restent pas limitées, partisanes, telles qu'on le sont. Pourquoi, en fait, notre bienveillance, notre compassion sont pour l'heure encore partisanes, pour l'essentiel? C'est parce qu'elles sont étroitement combinées à notre attachement. L'attachement que nous éprouvons vis-à-vis de nous-mêmes, l'attachement que nous éprouvons pour nos amis, pour nos proches, l'attachement que nous éprouvons pour notre famille, par exemple, les membres de notre famille, font que, en fait, cet attachement fait que notre compassion, notre bienveillance sont très imparfaits. Et même sous l'emprise, justement, de cette capacité de compassion, cette qualité de compassion, de bienveillance que nous éprouvons ici et là, en fait, de par l'imperfection de ces qualités-là, il arrive quelquefois que l'on crée de nouvelles causes de souffrance. Et donc, il nous faut, au stade où nous nous trouvons, il faut commencer par apprendre à développer la compassion, une compassion ici plus complète. Et donc je profite simplement à ce stade ici donc pour vous ramener finalement sur le développement de l'esprit d'éveil, quelle que soit la méthode que vous utiliserez, de voir comment développer et nourrir en fait la compassion, par exemple au moyen tel qu'on l'a vu dans le cadre de l'entraînement de l'esprit, le Lojong, qu'il s'agisse de développer l'esprit d'éveil selon la méthode donc, en 7 points, donc des 6 causes et 1 effet, ou que ce soit selon la méthode qui consiste à nous égaliser, nous échanger avec autrui, mais de voir en fait comment mettre en place les différents états d'esprit qui nous permettent donc de renforcer compassion, bienveillance pour arriver à développer l'esprit d'éveil. Donc ça, c'était une digression pour vous amener, en fait, pour vous ramener, en tout cas, au développement, à l'importance de développer, en fait, ces états d'esprit. Poursuivons avec ce que nous dit Shantideva à présent, la strophe 32-33, il nous dit « Si celui qui fournit avec mépris la pitance d'une demi-journée à quelques-uns et à court terme est acclamé pour sa vertu, que dire de celui qui sans cesse exauce les espoirs des êtres infinis en leur offrant constamment l'insurpassable joie de se aller en la félicité ?» Ni kejici la cuk cik ring la, saya
pangol se te dinde chizna o ko jim patang re yagore sin lab girwas te da mayin ba dini khalore ta simjin la ta thongjun da nyamdo jine wa thongju da nyamdo jine ne pe jim patang ne tro chine dinde chewa ine ya ko gewa tang bare jim tang go re yagore sin dora tang re sirwa. Donc la première partie donc, est assez explicite. Hein. Il s'agit de quelqu'un qui, par exemple, offrirait ou ferait l'aumône à des personnes qui seraient, quelques personnes qui se retrouveraient en difficulté, par exemple, et pendant, de façon très ponctuelle, à une occasion ou à quelques occasions, ici ou là, offrirait donc, de la nourriture ou autre, hein, ferait l'aumône à des personnes en difficulté matérielle. Quand bien même cette personne le ferait avec le plus grand mépris ou avec un certain mépris ou une certaine condescendance en se sentant au-dessus en fait, du panier en faisant ça, cette personne serait en fait, perçue par quelqu'un d'extérieur comme, étant, comme ayant agi en fait, de façon extrêmement louable et donc serait, serait louée pour cela, en tout cas, appréciée pour cela. J'aime aller droit. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai? Je ne sais pas. 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 Une petite différence culturelle, mais, mais parce que lorsque quelqu'un donc, nous aide matériellement, etc., donc c'est plus fréquent dans le cas des monastères, par exemple, où les moines ont des bienfaiteurs, en fait, des mécènes, des bienfaiteurs qui soutiennent leurs études, etc. Et donc ils présentent avec beaucoup de joie ou de fierté, ça c'est mon mécène, ou ça c'est mon bienfaiteur. On dit chez eux, les Ordaïens. En même temps, à l'Institut, on peut également aussi présenter telle ou telle personne. On peut présenter. Et donc on peut le dire aussi dans le contexte de l'Institut, donc le fossé culturel n'est pas si grand que ça finalement, dans le contexte de l'Institut, en effet, en ce sens que l'Institut peut, enfin, existe et peut continuer à exister au-delà, grâce justement à différents mécènes et bienfaiteurs. Et on peut présenter telle ou telle personne donc, comme bienfaiteur, comme mécène, en louant effectivement ses actions, en l'occurrence ici, sa générosité. Et en ce sens que oui, en tant qu'institut, de pouvoir ainsi continuer tel qu'on le fait, on le doit en fait à ces êtres-là. Et souvenez-vous, par exemple, quand on parle de notre existence disponible et qualifiée, on dit qu'elle est qualifiée, ça veut dire qu'elle est dotée de 10 richesses. Ces 10 richesses, vous vous souvenez, il y a 5 richesses personnelles, donc liées à son environnement, enfin, à soi-même, on va dire directement, et 5 richesses liées à l'environnement dans lequel on gravite, et ça, ça en fait partie. Donc le dharma soit soutenu, si vous vous souvenez. Donc ça veut dire qu'on doit beaucoup en fait, à d'autres êtres. C'est une chose.
chöda sangsingi jimbeke tangche, ngarandola ta rokpa chinge di, ta mechi ku si jinda, ngune chane jinda rede ore, sorwa, dela ta tura tang chöda chokus. Et donc, s'il est tout à fait naturel, finalement, de faire l'éloge de tel ou tel mécène ou tel bienfaiteur parce qu'il fait des dons ici et là, et qu'il est tout à fait logique, finalement, de reconnaître cette action vertueuse pour ce qu'elle est et d'en faire l'éloge, que dire alors d'un être donc, qui a engendré cet esprit d'éveil, c'est-à-dire le désir, en fait, d'aider, finalement, d'accompagner tous les êtres jusqu'à la fin du samsara, donc jusqu'à l'épuisement, finalement, du samsara, non pas à faire l'expérience d'un bonheur instable, tel qu'on le connaît à travers le samsara, le cycle des existences, mais à faire l'expérience d'un bonheur, il est dit ici, à faire constamment l'expérience de l'insurpassable joie, de se aller en la félicité. Ça veut dire quoi? Les sugatas, ce sont les bouddhas, en fait, une autre façon de faire référence au bouddha, ça veut dire de procurer aux êtres le bonheur durable, finalement, de la bouddhéité, et les conduire jusqu'à cet état-là. Donc, que dire alors d'un tel esprit et d'un tel engagement, au-delà de l'état d'esprit, par cette bodhicitta d'engagement, tel engagement de montrer en fait aux êtres le chemin qui conduit à la bouddhéité, de les exhorter donc à le parcourir. Et c'est bel et bien ce que fait un bodhisattva, c'est-à-dire à travers ces deux types de dons qui sont à la fois des dons matériels, donc pour soutenir ici et là, donner des conditions propices à tel et tel être en cours de cheminement, et pour aider, faire un don également de dharma, donc à travers justement l'exposé de ce chemin. Régulièrement, donc le lundi après-midi, nous commentons les jataka, c'est-à-dire les récits donc, qui rapportent les vies antérieures donc, du Bouddha Shakyamuni, avant qu'il ne parvienne à l'éveil. Donc, et l'on voit à travers ces différents récits combien a été considérable, en fait, justement, la générosité de cet être qui allait devenir ce Bouddha, combien immense était sa prodigalité de donner son corps, de donner ses biens, de donner ses vertus. Donc, mais en l'occurrence, récemment, on a encore vu, il faisait don de sa tête à un être, donc à cette fin-là. Donc de lui être d'être bénéfique ainsi, donc et de renforcer cet esprit d'éveil. Et c'est juste, ça dépasse l'entendement, même la quantité finalement d'offrandes que cet être avait accompli donc durant ses vies antérieures. Tout cela nous montre en fait la force mentale, le courage mental que procure un tel état d'esprit qu'est bodhicitta. Une telle force mentale, un tel courage en fait, pour justement braver en fait les difficultés qu'implique le fait de vrai ou bien d'autrui. Donc de tels bodhisattvas finalement sont par excellence nos bienfaiteurs. Jasé,
ngandul khashe nime ge kha khan sheba chuwa ma yimba kha sheba na shin la len ke ni tiwa ra ha go ma so khashe nime nime la de ga ne da kabri khashe ngandul khan ni da cha go she ne la len me nge yo ra den de ma yimba ka wnya wi ni se ni ha Nisumewa, kashi nisumewa, kani shewa nanshi lalin kiye. Honda nishila gore sowa. Da, bensi simje tamjige tundu, tsobe sanji jikoba, toba chawu, te tanda chewu du, suna, sumba nanshi. Ani lalin kiye. Maranzula, chewu jimba da, da, sangzingi jimba da, lalin kiye jinda de laas. Kete, maranzula, dindri roba chingi yabu de la, dini, semne, ngen semji keba ina. Jebi kiji kazu jebi na di tsuki kawa chame ani nyawa la kiki res roa sumba res di sanji sum res. Et dans la strophe 34, Shantideva nous dit à présent, quiconque engendre des pensées malveillantes envers un bienfaiteur, un enfant des vainqueurs, restera en enfer pendant autant d'éons qu'il aura eu de pensées négatives, nous dit le Muni. Quiconque engendre des pensées malveillantes, envers un bienfaiteur, donc sous-entendu par bienfaiteur ici, un enfant des vainqueurs, c'est-à-dire un bodhisattva, en fait. L'idée ici est que cet bodhisattva, donc, qui est pour nous, donc, notre bienfaiteur, ou l'un de nos bienfaiteurs, en fait, est un être qui est complètement dénué de toute forme de duplicité, en fait, mais qui est complètement intègre, c'est-à-dire dont les paroles, dont les actes sont complètement conformes en fait aux paroles. Il n'y a pas de discordance entre les discours qu'il tient et ses agissements, ses différentes actions. Donc pas la moindre forme de duplicité à ce niveau-là. Donc celle-ci, lorsque l'on est en présence en fait d'un tel bodhisattva, donc aussi intègre, l'on engendre en fait des pensées malveillantes. Shantideva nous rapporte ici que le Bouddha a indiqué qu'un tel être restera donc en enfer autant, aussi longtemps, autant d'éons en fait même, qu'il aura eu donc de telles pensées malveillantes à l'égard de ce bodhisattva. D'où l'importance ici est cruciale d'être particulièrement attentif, de faire attention. Pour la bonne raison que où se trouvent les bodhisattvas, on n'en sait strictement rien. Qui est un bodhisattva, on ne le sait absolument pas. Ne serait-ce que dans cet auditoire, dire combien y a-t-il de bodhisattvas, en fait, on est incapable de le dire. Dire qu'un tel est un bodhisattva, un tel ne l'est pas, qui est en mesure de pouvoir dire cela? Et que de ce point de vue-là, on ne peut pas se baser simplement en fait, sur le comportement extérieur de la personne, ce que l'on perçoit de l'extérieur de la personne. Il se peut que dans la mesure où les apparences qui s'imposent à notre esprit sont étroitement liées en fait à nos karmas, nos empreintes karmiques, et donc il n'y a strictement aucune certitude aux apparences qui s'imposent à notre esprit, il se peut que ici et là on nous apparaissent en fait des agissements discutables en tout cas ou inappropriés chez des êtres qui pourtant sont des bodhisattvas. Mm-hmm.
Le Brahmanavartika, en fait, nous met en garde à ce propos en nous disant prenez. Comment dire en français préservez-vous, en tout cas, préservez-vous, en fait, d'émettre un jugement, a fortiori de critiquer, en fait, quiconque, parce que c'est la meilleure façon de voir votre pratique dégénérer, en fait, ou décliner, parce que vous n'avez strictement aucune idée, en fait, de à qui vous avez affaire, finalement. Donc, sous-entendu, qui est un bodhisattva et qui ne l'est pas.대인자 Et donc encore une fois, un bodhisattva est pour nous donc un bienfaiteur par excellence. Et éprouver, ne serait-ce qu'un instant en fait de colère, d'aversion vis-à-vis d'un tel être, nous est infiniment préjudiciable dans la mesure où un instant, en fait, ce qu'on entend par un instant de colère, est constitué lui-même d'une comment on peut dire ça en français, un instant de plein d'instants. Quand on dit ketchik, c'est l'unité de temps la plus courte finalement que l'on pourrait identifier. Pour nous donner une idée, en fait, on dit que dans le temps d'un claquement de doigts, dans le laps de temps d'un claquement de doigts, il y a 365 unités de temps minimales, en fait. Donc pour donner une idée, quand on dit éprouver un instant de colère, ça fait quelques secondes quand même de colère. Et donc imaginons en fait combien d'unités de temps minimale en fait il y a dans cet instant de colère. Et il est dit en fait que on reste un néon incommensurable par instant minimal de colère, en fait, par unité de temps minimale. Là on est censé flipper. Enfin, je ne sais pas si vous avez fait le rapprochement, mais ça fait ça. Quoi. Ça Les anciens parmi vous, vous m'avez souvent entendu raconter en fait que initialement j'étais quand même assez réticent en fait à ne pas porter un certain jugement sur dans le cas du monastère, hein, sur des moines dont le comportement était très très acariâtre, très belliqueux, pardon. Donc il y avait certaines attitudes particulièrement agressives, violentes, etc. Et j'avais beaucoup de mal à me dire, bon, il ne faut pas se fier aux apparences et ça ne préjuge pas de la valeur intérieure de la personne, etc. J'étais assez réticent quand même à aller jusque-là. J'avais du mal. Et j'ai eu plusieurs fois donc l'occasion, notamment une fois l'occasion de, je vous l'ai déjà raconté, de voir un vieux, enfin un moine donc qui avait ce type de comportement et donc j'avais plutôt tendance à juger ce comportement. Qui au terme donc de sa vie, par contre, et notamment lors au moment de sa mort, en fait, a montré des signes évidents, en fait,
de qualité, de réalisation, peut-on dire, dans la mesure où c'est un être qui était resté plusieurs journées, par exemple, dans la méditation de clair-lumière, donc qui avait pu finalement se servir du processus de la mort, ce qui signe en fait une très grande maîtrise intérieure, donc, et des qualités intérieures indiscutables. Et ça m'a amené à réviser Et juste pour revenir sur ce vieux moine, il était même tout à fait parfaitement conscient en fait de ses agissements, etc. Ce qui fait que d'ailleurs peu de temps avant sa mort, il avait rassemblé les gens qui étaient proches de lui en lui disant « Je sais très bien que j'ai des comportements que vous n'avez pas appréciés du tout, que vous n'avez pas aimé du tout, et je sais que vous ne m'aimez pas, mais ne m'en tenez pas rigueur, en fait, n'éprouvez pas de la colère à mon endroit. » Maintenant je vais mourir. Donc il a distribué, partagé tous ses biens entre tous ces êtres-là. Et il leur a dit, je resterai en fait tant de temps dans cette méditation de claire lumière. Donc pendant ce temps-là, s'il vous plaît, ne vous approchez pas de mon corps, ne le touchez pas. Après, quand ma conscience sera partie, en d'autres termes, faites ce que vous en voulez, peu importe. En fait, faites ce que vous voulez de mon corps, ça n'a plus d'importance. Ça n'aura plus d'importance. Et ça fait partie des histoires qui m'ont profondément marqué. Et donc cette histoire m'a particulièrement marqué parce que c'est vrai que chaque fois que j'entendais parler de ce Genchupa, donc c'était le nom qui lui avait été donné, de suite je sentais mon esprit se fermer, je me sentais me fermer en fait en disant c'est pas quelqu'un de bien quoi. Enfin, j'éprouvais vraiment un rejet. J'ai éprouvé un rejet pour lui. Et c'est quelqu'un qui était connu hein, dans Serra, dans le monastère. Ce terme de Chupa, en fait, ce serait le nom qui avait été donné à un bodhisattva. D'ailleurs. Enfin, c'était le nom d'un bodhisattva. On l'appelait d'ailleurs Genchupa. Et nous, quand on était gosses, on entendait le mot un petit peu différemment. Ou le fait qu'on le perçoive de cette manière-là nous amenait à comprendre le mot différemment. Chu, ça peut vouloir dire l'eau. Et Pak, alors Pak, en imaginant qu'il y a un K, c'est le diminutif pour un cochon en fait, donc je sais pas si on se met pas un sanglier ou un cochon qui est dans l'eau, enfin, je sais pas qu'est-ce que c'est comme race de cochon, mais en tout cas c'est ce qu'on entendait quoi. Genchupa, donc le enfin voilà, mais c'était pas son nom, son nom c'était vraiment Chupa, donc le nom d'un bodhisattva. Ya ta dingin da ma de nang lo la sam de tang shou sta de sem de yang lo le. Donc gardons en tout cas cet l'exemple de ce récit pour justement nous mettre en garde en fait naturellement chacun pour nous rappeler que finalement on ne sait pas à qui on a affaire finalement qui sont les uns les autres. Non.
Et dans le commentaire, donc au fait que Gelsabje de ce texte de Chantier des Phares, ici Gelsabje rapporte en fait un extrait du sutra des prodiges. Excusez-moi, on est au bas de la page 29. Un extrait du sutra des prodiges de la paix définitive, qui souligne ceci. Donc Manjushri, si un héros de l'éveil engendre de la colère ou du mépris envers un autre héros de l'éveil, il restera en enfer pendant autant d'éons qu'il aura eu d'instants de colère. Aussi revêt donc une armure. Donc, de ce pageau. Donc ici c'était très court, le revêt donc une armure, mais ça veut dire exerce-toi en fait à développer la patience en fait, justement pour protéger, préserver ton esprit de la colère coûte que coûte. Et on peut continuer ce que nous dit Gelsabje, puisqu'il nous dit, puisque le Muni enseigne que l'on doit demeurer dans les enfers pendant autant d'éons que l'on engendre d'instants de colère, prenons garde. Donc, en effet, le sutra du sceau qui engendre la force de la foi indique qu'avoir des pensées négatives envers un bodhisattva qui admire le grand véhicule est une faute incommensurablement plus grande que de détruire ou de brûler autant de reliquaires qu'il y a de grains de sable dans le Gange. Et donc ça, ce sont autant d'éléments qu'il nous faut garder à l'esprit finalement dans notre exercice quotidien finalement de la patience et autres. C'est autant d'éléments qu'il nous faut garder. Parce que inversement, l'inverse est également vrai, fort heureusement. C'est-à-dire que si au lieu finalement de développer, de nourrir des pensées négatives à l'endroit de tels êtres, d'aventure on nourrit des pensées positives, des pensées d'admiration à leur égard, ben, la force positive, en fait, la force est la même. Il s'avère qu'elle est positive dans ce cas-là. Et ça, c'est Chantier des Vagues qui nous le dit au début de la strophe 35, puisqu'il nous dit en revanche, s'il nourrit envers eux, c'est-à-dire envers ces bodhisattvas, envers eux de l'admiration, ses résultats se multiplieront bien plus que les précédents. Précédemment, Chantideva, donc nous rapportons les propos du Bouddha, nous a montré qu'en fait un instant de colère nous conduisait donc à endurer autant de renaissances en fait dans les enfers par exemple. Un instant de colère conduisait à endurer en fait autant d'éons en fait incommensurables que d'instants de colère dans les enfers. Et ici, ce qu'il nous dit, c'est qu'un instant en fait de pensée bien, de pensée d'admiration, donc de pensée de confiance, de pensée vertueuse finalement dirigée à l'endroit de ces bodhisattvas, nous permettait d'accumuler non pas simplement autant d'instants en fait, autant d'éons incommensurables, mais encore davantage en fait que cela, et autant d'éons incommensurables, donc d'expériences de bonheur, d'expériences ici de bien-être. Et étant entendu qu'il s'agit simplement, ici on ne parle pas encore de développer bodhicitta, il ne s'agit pas encore ici d'imprégner notre cœur continuellement de bodhicitta qui a été généré, qui a été engendré. On dit simplement éprouver de l'admiration pour un être qui a développé bodhicitta. Bodhicitta, c'est ça qu'on dit même simplement déjà, en termes de potentiel vertueux. Mm-hmm.
Et donc, on peut déduire en fait de cela. Ici, il est dit que simplement éprouver de l'admiration, par exemple, pour cette qualité de bodhicitta présente dans l'esprit d'un bodhisattva, occasionne en fait, procure autant en fait de bienfaits. Donc, a fortiori, dans notre contexte, on n'est pas simplement éprouver de l'admiration pour un être qui en est doté, on est à essayer en fait de mettre en place les moyens pour engendrer nous-mêmes en fait donc bodhicitta. Donc, les conséquences ici, donc ainsi réunies, ainsi accumulées, sont incomparables. Parce qu'en plus, méditer, on aime faire ça, n'est-ce pas? Et c'est, ça en soi, c'est une bonne chose de méditer. Parce que cette inclination, finalement, à elle seule, nous permet déjà d'accumuler des mérites. Et il nous faut nous rappeler ainsi, en fait, toute cette portée si vertueuse, en fait, la portée si vertueuse de tel état d'esprit. Par exemple, ce matin, lorsque nous avons commencé, nous avons essayé de mettre en place cette motivation qui nous a amené à vouloir parvenir à la bouddhéité pour le bien de tous les êtres. Et donc progressivement, nous avons amené notre esprit à éprouver cela, à ressentir cela. Et il nous faut donc repenser en fait à la portée en fait de cette simple pensée ici, de cette double aspiration que nous avons générée. D'arriver à nous figurer en fait la portée vertueuse en fait d'une telle pensée, encore une fois pour rendre notre esprit encore plus enclin en fait à la mettre en place et la générer spontanément. Mais il ne faut pas non plus qu'on fasse, si vous me permettez, un arrêt sur image sur la méditation de Bodhicitta. Pourquoi? Parce que pour arriver vraiment à développer cet esprit d'éveil, en fait, et un esprit d'éveil de qualité, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut que notre esprit soit prêt à cela. Ça veut dire qu'en fait, il ait développé le support nécessaire pour le faire et donc qu'il se soit entraîné aux étapes antérieures. Juste pour y revenir encore une fois. Et là, ça nous ramène à la strophe 24 qui nous disait « Si par le passé, ils n'eurent pas même en rêve une telle intention, ne serait-ce que pour eux-mêmes, comment la pourraient-ils concevoir pour autrui ?» Notre boulot à ce stade, je peux me permettre, mais notre boulot à ce stade, c'est quoi? C'est justement au moins d'émettre en rêve cette intention-là. Avoir cette intention pour nous-mêmes, ne serait-ce qu'en rêve. Parce qu'encore une fois, il faut toujours commencer à partir de nous-mêmes. C'est-à-dire que cette bienveillance, cette compassion, il nous faut d'abord arriver à la développer en relation avec nous-mêmes. Ne pas faire cela et de réchef d'essayer de méditer ou de développer de la compassion, de la bienveillance pour les autres, c'est vous à l'échec, en fait. Il y en a pas, parce qu'il n'y a pas de support, il n'y a pas de base pour ça. Parce qu'en effet, si on ne voit pas en fait, les inconvénients, les travers en fait, de notre propre existence conditionnée, du simple fait de nous-mêmes être en fait, assujettis au cycle de nos existences, comment on peut voir ça pour les autres? Comment on peut le voir pour les autres? Mmh.
Parce que tant qu'on n'a pas compris cela pour nous-mêmes, en fait, quand on voit les autres heureux, en fait, ben, c'est même quelque chose que l'on va aspirer. En fait, c'est quelque chose que l'on va convoiter. Comment voulez-vous que dans ces conditions-là, on se dise, mais que, qu'il soit débarrassé, en fait, que de cette expérience agréable, plaisante, en fait, qu'il en soit complètement débarrassé, qu'il ne la fasse plus, cette expérience-là, par exemple, c'est même pas quelque chose qui peut nous venir à l'esprit. Et donc c'est la raison pour laquelle il nous faut entraîner notre esprit d'abord avec cela, c'est-à-dire à lui donner des bases extrêmement stables, des fondations extrêmement stables. Et là-dessus, il ne faut pas avoir peur, parce que en faisant cela, entre guillemets, on ne perd pas de temps, on ne sait pas des petits moyens, parce que les mérites accumulés ce faisant sont exactement les mêmes. Pourquoi ? Parce que quand on s'adonne à ce type de réflexion et de méditation, ce qui initie une telle réflexion et méditation en amont, c'est quoi ? C'est une motivation empreinte de bodhicitta. Donc ça revient au même en termes d'accumulation de mérites. Parce qu'en effet, lorsqu'on entraîne notre esprit aux étapes qui sont communes avec un individu de petite capacité, même si les étapes en tant que telles donc s'apparentent à celles d'un individu de petite capacité, il n'empêche que pourquoi est-ce qu'on amène notre esprit sur ces étapes-là ? C'est afin de nous-mêmes être en mesure de parvenir à la bouddhéité pour être bénéfique aux êtres. Donc ce faisant, les mérites accumulés sont exactement les mêmes. En fait. Donc ne nous décourageons pas. Donc l'esprit d'éveil, oui, c'est difficile à engendrer, à développer, oui, c'est sûr. Et d'autant plus que nous sommes pressés, que nous voulons aller vite en besogne et que nous prenons bien soin en fait d'occulter les premières parties. Ça, c'est clair que c'est d'autant plus difficile. Et voilà. On a besoin de bases stables. Très bien. Sans bonne base, on ne peut pas progresser. C'est. On ne peut pas progresser la bodhicitta. Le bodhicitta. On ne peut pas générer. Donc générer. Ou développer. Ce que vous développer. Voilà. Bodhicitta. Merci. Et on s'arrête là. On dédie. Dédié pour le bien de tous les êtres. C'est ça? Sûr. D'accord. Notre mérite, tous les mérites dédiés pour les autres, pour le bien de tous les êtres. Donc on prend le livret des compilations des prières de l'Institut, à la page 16. Tambo Sashi Puji. Oui. Sashi Puji Joji. Allez.
Santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du dharma et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Ye ba nyam ba me ba yang go ne kondu pe wa rai sho do ni ta wa rin bo ma ge ba nam ye jo ro je ye ba nyam ba me ba go ne kondu pe wa rai sho. Tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais, ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lama Sopa Rinpoche, donc que chacun, en formulant cette prière de longue vie, du fond du cœur, avec joie, avec gratitude, prions donc pour sa d'une part sa longue vie et l'accomplissement le plus rapide possible de tous ses souhaits. Parce qu'en effet, sa bonté est immense. On lui donne énormément. Sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puisse jouir de la splendeur du dharma et parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara.
Merci beaucoup et bonne soirée. À demain. À tout à l'heure. Tout le monde? Je ne sais pas. Peut-être tout le monde. À tout à l'heure. À 20h. Comme il y a une puja ce soir, on vous demande de...